Bonjour tout le monde, n'y est pas. Alors aujourd'hui j'ai eu envie de traiter un sujet, alors plutôt orienté formation professionnelle et je dirais même formation théorique. C'est voilà les formations des thésards. Voilà. Alors notamment ce que je connais un peu plus, c'est les biotechnologies, la biochimie, la biophysique. Moi aussi j'ai été passionnée de recherche et développement. Sauf qu'il y a un moment, je me suis retrouvée confrontée à l'université avec qui va financer ma thèse, comment je vais me financer, qui c'est qui va m'aider. Alors j'ai été faire un peu le tour des possibilités de sortie et des emplois. Et voilà, donc voilà, c'est passionnant. Sauf que, allez, si je devais résumer, je dirais que, voilà, si vous voulez quand même faire bah, une thèse, vous êtes passionné de recherche et de développement, mais que vous avez en tête la difficulté de sortie et de trouver un emploi, j'ai tendance à vous orienter cette fois-ci non plus vers les financements publics. Quand vous faites une thèse, ils vous font une plombe pour avoir un dossier de financement et vous n'êtes pas sûr de l'avoir. Vous n'êtes jamais sûr de la sécurité de votre emploi. Et j'aurais tendance à vous dire et vous conseiller peut-être de vous diriger en fait vers le monde des startups. Et oui. Et oui, le monde des startups innove et en fait, je pense que le monde des startups recherche beaucoup de chercheurs actuellement. Ne restez pas au chômage en train de vous lamenter sur votre sort et vous demander comment vous allez faire pour rembourser vos prêts étudiants que vous cumulez. Il y a des possibilités. Intéressez-vous notamment aux incubateurs. Les incubateurs sont les lieux où on concentre justement de nombreux projets avant de voir le jour, c'est-à-dire que vous êtes un porteur de projet, vous avez une idée et vous êtes au sein de l'incubateur en train d'essayer de concrétiser ce projet. Pour concrétiser ce projet, vous avez besoin des ressources humaines et c'est là où ces gens se tournent parfois vers des chercheurs. Alors certes, n'attendez pas des salaires mirobolants, mais c'est mieux que rien et certaines des startups ont vraiment une vocation et un projet, on va dire, industriel qui est vraiment enfin, socialement intéressant pour la communauté. Donc voilà. Voilà, moi, je vous invite justement, vous, nos têtes françaises, ben, ne partez pas à l'étranger si vous pouvez, ou enrichissez-vous, encore mieux, enrichissez-vous à l'étranger et revenez en France, aidez tout le monde. Vraiment, on a tous besoin des uns des autres. Et osez la start-up. Alors au début, certes, vos salaires ne seront pas énormes, mais je vous assure que dans une start-up, vous pouvez progresser très vite. En plus, vous avez un degré de liberté et d'autonomie et une flexibilité qui va vous permettre de retranscrire tout ce que peut-être dans le public, vous n'auriez pas pu faire. Parce que le temps que vous passez à faire des dossiers pour avoir des subventions, c'est du temps que vous ne passez pas à la paillasse. Et le stress qui est joint à l'attente de réponse de ces dossiers, ben, c'est parfois difficile. Alors je ne vous dis pas d'abandonner parce que parfois les portes s'ouvrent et il est tout à fait possible de se concrétiser et de réaliser un projet, mais parfois les portes, elles ne s'ouvrent pas. Et quand elles ne s'ouvrent pas, les portes, eh ben, il faut parfois transformer son risque de rester au chômage en opportunité d'avoir une belle vie et d'épanouir tout le monde autour de vous. Et bien pour ça, allez vers la start-up. Voilà, soyez curieux sur Internet. Il y a des projets. Moi, je vous invite à aller sur les plateformes également de financement participatif parce que justement, c'est là où vous allez voir les projets notamment et vous allez pouvoir avoir des business plans, des études de marché et vraiment étudier par vous-même en fait la faisabilité justement de ces projets. Ne vous fiez pas aux plateformes de financement qui vous disent faire de la due diligence, c'est-à-dire la sélection de dossiers en amont, parce que pour y avoir travaillé, avoir été responsable contrôle interne et avoir scruté depuis 7 ans toutes les plateformes collaboratives qui se créent, elles ne sont pas en cadre réglementaire pour toutes. Donc faites attention. Faites attention, renseignez-vous et ayez la curiosité d'aller regarder vous-même en fait la faisabilité de leur projet sur leur business plan, sur leurs études de marché. Cette étude en fait, elle est faite avec un marketing extérieur et intérieur. Donc intéressez-vous à tout ça. Voilà, donc ça c'était pour vous ouvrir un peu les possibilités de solutions qui pourraient potentiellement en fait s'offrir à vous parce qu'il y a toujours, toujours, toujours des solutions. Alors on a les solutions traditionnelles, c'est les premières qui viennent à notre esprit. Et pour moi, on a des solutions actuellement qui sont alternatives. Et focalisez-vous sur ces solutions alternatives parce qu'en fait, elles peuvent vous sortir une belle épine du pied. Et je sais exactement que voilà, c'est difficile. Au jour d'aujourd'hui, si on n'a pas de CDI, on ne peut rien faire. J'ai envie de vous dire, est-ce que c'est nécessaire vraiment de faire un prêt immobilier sur 20-25 ans et de prendre des risques? Ne vous mettez pas la pression, prenez le temps qu'il faudra pour construire votre confort et pensez à vous avant et soyez curieux. Donc j'espère que ce sujet vous aura plu, qu'il vous aura redonné le moral.
Et que surtout, en fait, il vous aura donné des exemples de portes de sortie. Bien sûr, moi, les propositions de solutions que je vous soumets, ce n'est pas les meilleures, bien sûr. Moi, c'est celles auxquelles j'avais réfléchi. Et j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années à accumuler un petit peu tout ce retour d'expérience. Et je me dis que peut-être il pourra servir à quelqu'un d'autre et épanouir la vie de quelqu'un d'autre. Donc, des solutions, il y en a. Allez les chercher. Voilà, moi, je vous invite à les chercher et surtout garder le sourire. Voilà, construisez vos propres solutions et vos propres porte de sortie. Voilà, on fait une audite de situation, un état de l'art, on fait une analyse stratégique, on fait un plan d'action, on identifie les risques, les opportunités, et quand cerise sur le gâteau, vous êtes capable de transformer les risques en opportunités, là, ça y est pas. Donc allez-y, foncez et baissez jamais les bras. À bientôt !